Prince du Pacifique d'Alain Corneau se tourne en Polynésie française. De nombreuses scènes nécessitent des figurants tahitiens et ont demandé un travail de casting minutieux. Au départ, je leur ai expliqué que c'était un film qui racontait un peu leur histoire, puisque c'est un film qui se passe au début du siècle, et qu'on allait comme ça recréer un village, et que j'avais vraiment besoin d'eux pour recréer ce village, étant qu'ils allaient être... C'est vrai qu'il y avait bien sûr les comédiens qui étaient importants, mais eux étaient aussi importants que les acteurs. Mais c'est vrai qu'au début, ils ne se rendaient absolument pas compte de la réalité d'un tournage. À Verdun, la bataille décisive... Bon ben, ça suffit maintenant. Mais vous allez me lâcher, bordel ! Lâcher, bordel. À ta place. Ouais. C'est évident que la première fois, quand je revenais à Paris, les trois fois où je revenais chargée de films et de photos, et qu'Alain me disait alors, le Fidji 1, le Fidji 2, le chef Fidji, je disais, lui il est formidable. Oui, tu es sûr. Je suis sûre sans être très sûre. Et donc, si tu veux, à chaque fois c'est un pari. Et je crois que j'ai plus peur qu'eux quand ils tournent. Boum, boum sur la plage, vous regardez. Voilà, c'est ça. Et c'est le bateau qui est en train d'arriver. Allez, on revoit le tout. Partez!